Salut et bienvenue dans le podcast des gens détracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui et qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Font et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Simon Moinard qui travaille chez Institut Agro Montpellier. Alors Simon, je l'avais découvert via un article sur un site internet qui a piqué ma curiosité. Parce que Simon, en fait, il a créé une petite camionnette pour aller former les agriculteurs aux nouvelles technologies et notamment les technos open source. Donc ça, moi, ça me parle beaucoup, la technique et la formation. Je me suis dit que Simon, il fallait qu'il vienne dans mon podcast pour nous raconter tout ça. Mais avant de commencer de parler de tout ça, Simon, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton métier chez l'Institut Agro Montpellier ? Ouais. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme tu viens de dire, hein, je travaille à l'Institut Agro Montpellier. Donc, c'est une école d'ingénieurs où on forme les étudiants en ingénieurs, enfin, on forme les étudiants ingénieurs agronomes. Et je fais partie d'une équipe qui s'appelle Agrotique. Et dans cette équipe Agrotique, on les forme aussi aux nouvelles technologies dans l'agriculture. Donc, ils ont cette double compétence, à la fois ingénieur agronome et aussi connaissance du monde des nouvelles technologies, parce que bon, je pense qu'on va en discuter, mais c'est quand même deux mondes qui sont parfois un petit peu à part et difficiles à fusionner et à mettre en contact. Donc moi, dans cette équipe agrotique donc de l'Institut Agro à Montpellier, je donne des cours sur tout ce qui est capteur, réseau de capteurs, avec une approche dans ce qu'on appelle le low-tech. On va en discuter après, je pense. Le low-tech, c'est les nouvelles technologies assez simples qui permettent de bidouiller, développer des petits systèmes. Très bien. Et alors, du coup, tu n'es pas que enseignant. Alors, c'est quoi tes autres casquettes? Alors, si tu peux nous en dire plus. Ouais, officiellement, donc je suis l'ingénieur pédagogique de cette formation agrotique. Donc, je m'occupe de la pédagogie de façon large de cette formation, donc s'assurer la gestion des calendriers, gestion de réservation des salles, gestion de faire tout en sorte que tout se passe bien dans cette spécialisation. Et dans l'équipe, on est rattaché à une UMR aussi, donc au-delà de la partie ingénierie pédagogie, au-delà de la partie enseignement, il y a des activités de recherche. C'est une UMR qui s'appelle l'UMR ITAP. Donc, EMR, c'est une unité mixte de recherche entre deux instituts, l'Institut Agro-Montpellier et puis INRAE, qui est l'Institut National de Recherche en Agronomie et en Environnement. Donc, on fait des publications scientifiques sur principalement nos compétences, qui sont les nouvelles technologies dans l'agriculture, que ça touche à la géolocalisation, la spectrométrie, les capteurs, l'agriculture numérique, l'agriculture de précision de façon générale. Ce n'est pas que du matériel agricole alors, c'est aussi l'agriculture en général. Oh ouais, alors l'agriculture numérique, on travaille pas mal sur tout ce qui est modélisation. Donc on parle souvent des modèles de prévision météorologique, etc. Mais il y a d'autres modèles qui existent, hein, des modèles de stress hydrique d'une plante de vigne. Donc évidemment, on est basé à Montpellier, donc on travaille quand même avec les cultures qui sont autour de nous. La vigne, le blé, les oliviers, etc. Nous, dans notre équipe, on est spécialisé sur l'agriculture de précision au sens large, donc de la modélisation, une modélisation souvent sur du géospatial, donc une carte de parcelle, détecter où est la maladie ou détecter où est-ce qu'il y a un sol qui est un peu différent, etc. Et essayer ensuite d'appliquer des correctifs ou de proposer des solutions pour les agriculteurs, pour pallier à cette hétérogénéité dans la parcelle. C'est un des exemples. D'accord. Et l'Institut Agro Montpellier, en général, qu'est-ce qu'il propose comme formation autre que ce dont tu viens de nous parler ? Alors l'Institut Agro Montpellier, donc là oui, je t'ai parlé d'une formation, c'est une formation qui se fait en 3 ans hein, pour des étudiants, pour qu'ils aient le statut d'ingénieur agronome. Et moi je t'ai parlé juste de la spécialisation agrotique qui travaille sur le numérique appliqué à l'agriculture. Mais il y a aussi il y a une bonne dizaine d'options sur, par exemple, la gestion de l'eau, donc l'irrigation au sens large. Il y a de l'agro-manager, donc sur l'économie dans le monde agricole, production viticole, production élevage aussi. Il y a des spécialisations qui sont plus sur les pays du Sud, le développement des pays du Sud, études des marchés dans les pays du Sud, etc. Sur la gestion des territoires aussi, plutôt sur les aspects un petit peu politiques des territoires, avec toujours cette dimension évidemment agronomique, hein, etc., etc. Il y a gestion amélioration des plantes aussi.
comment faire un blé qui est plus résistant à la sécheresse, etc. Donc c'est très axé, à l'Institut Agro-Montpellier, on est très axé sur les politiques, enfin l'évolution en tout cas de l'agriculture, voilà, qui évolue en fonction du contexte écologique. On nous parle beaucoup de réchauffement climatique, etc. Donc l'agriculture, elle va devoir changer. Elle va devoir changer pour toujours nourrir les humains, en prenant en jeu tous ces contextes écologiques, économiques, environnementaux, etc., etc. Donc voilà, nous, à l'Institut Agro-Montpellier, on travaille sur ça. Et c'est que des cursus d'ingénieurs ou il y a des niveaux un peu plus bas? C'est une école d'ingénieurs et on forme aussi, on a des masters. Je pense au master Vinifera, par exemple. C'est un master qui permet de se former à la production viticole. Voilà, il y a plusieurs masters qui sont adossés. Souvent, le cœur du métier, c'est quand même cette mission de former les ingénieurs. Mais on a plusieurs aussi spécialisations qui en découlent de ça. D'accord, ok. Et toi, concernant ton parcours, justement, tes études, quelles études tu fais pour arriver à être enseignant dans un institut agro de Montpellier? Du coup, je suis passé par cette école, en fait. Donc, D'accord. je suis originaire de Vendée à la base. Donc, mes parents sont agriculteurs. Toute ma famille touche de près ou de loin au milieu agricole. Donc, naturellement, je me suis un peu dirigé ce milieu. Et donc, en faisant après donc les études, le bac et une prépa. Donc, j'avais fait ma prépa à Poitiers. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai intégré l'école donc de l'Institut Agro-Montpellier. Donc il y a plusieurs écoles d'ingénieurs agronomes en France. Il y a AgroParisTech à Paris. Et puis l'Institut Agro, qui est une école assez récente parce qu'elle a fusionné avec des écoles qui, pour le coup, elles sont assez anciennes. Mais c'est une fusion de l'Institut Agro, c'est une fusion de l'école de Montpellier, de Rennes-Angers, qui est elle-même une fusion de l'école de Rennes et de l'école de Angers, et de Dijon. Et il y a plusieurs écoles qui vont rejoindre ce consortium d'écoles d'ingénieurs prochainement. Il y a aussi à Bordeaux, à Toulouse, à Nancy. Il y a plusieurs écoles d'ingénieurs D'accord. agronomes par toute la France. Ok. Et t'as fait quoi alors toi comme cursus là-bas? Alors du coup, moi, j'ai fait agrotique D'accord. parce que un peu l'appétence pour les nouvelles technologies, savoir comment ça fonctionne, etc. Et donc du coup, j'ai été embauché par la suite en tant qu'ingénieur pédagogique. Alors à l'époque, on avait un projet de faire un espèce de Fab Lab. Alors, je sais pas si ça te parle, un Fab Lab, c'est un lieu où il y a Non. des imprimantes 3D. C'est ouais, un lieu où il y a des imprimantes 3D, il y a des découpeuses laser ou des machines un petit peu qui peuvent faire un peu peur, mais aussi juste des pinces coupantes, des tournevis, des choses comme ça, où c'est un lieu où n'importe qui peut venir pour réparer son vélo, mais aussi développer un petit système, bidouiller un petit capteur de température, imprimer en 3D un boîtier, faire une cale avec la découpe laser. Voilà, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour que les étudiants, et les étudiants et les agents aussi de l'Institut Agro, n'importe qui puisse avoir ces solutions à disposition sur le campus de l'Institut Agro. Pour pouvoir bidouiller eux-mêmes pour des projets de recherche, des projets professionnels, mais aussi des projets personnels. Je prends l'exemple de Saïda qui est au service entretien, nettoyage des salles, qui est passée là au Fab Lab il y a quelques temps pour faire à la découpe laser une espèce de le nom de son petit-fils pour le placarder sur sa chambre. Donc ça touche pas spécialement au monde agricole. Mais voilà, c'est un lieu où il y a des compétences, il y a des connaissances et il y a du matériel à disposition. Et donc tout le monde échange autour de ça. N'importe qui peut venir fabriquer un truc. Ouais, n'importe qui. Donc c'est ouvert. Alors n'importe qui fait partie de l'Institut Agro et Ah oui, d'accord. des instituts qui sont en lien avec l'Institut Agro. Donc je pense à INRAE par exemple, etc. Mais c'est ouvert tous les jeudis après-midi. Et donc, il y a une vocation de pouvoir l'ouvrir à n'importe qui sur le monde extérieur. Pour le moment, ça reste encore un petit peu difficile. Mais ouais. Et donc là, Donc je sais pas si on verra ma caméra, mais je suis actuellement là dans ce lieu, dans le Fab Lab, l'Agro D'accord. Fab Lab. Et du coup, t'en parlais au passé, mais ça existe finalement. C'est toi qui l'as mis en place, c'est ça? C'était un de tes projets quand t'es arrivé Alors, en tant que salarié? La base, il y avait cette idée de développer ce Fab Lab. Et puis, moi, c'était surtout sur la partie le lien avec le monde agricole.
Donc du coup, comment faire pour que ben, on aille sourcer les besoins des agriculteurs pour leur développer des petites solutions? Moi, vu que je donne des cours sur les capteurs, réseau de capteurs, etc., au lieu de donner un cours un peu magistral, un peu pompeux, où les gens, les étudiants s'assiedent et doivent écouter pendant 3 heures, l'idée c'est de pas faire ça, c'est plutôt d'arriver avec un projet d'un agriculteur qui a besoin de ça, et donc on va le développer, ce capteur, cette solution. Et pour ça, ben, on va donner des petites pastilles informatives aux étudiants sur bah, comment ça marche un capteur, comment ça marche le réseau Wi-Fi, le réseau 4G, etc. Et puis se rendre compte qu'en fait on peut tout bidouiller, tout développer soi-même assez facilement quoi. Et donc du coup, il y avait besoin d'aller au contact des agriculteurs pour leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, le constat qu'on a fait très rapidement, c'est que les agriculteurs vont pas venir dans ce lieu ici en plein cœur de Montpellier parce que bon, il y avait clairement autre chose à faire. Et c'est pour ça qu'on a commencé à exporter un petit peu ce lieu avec, alors du coup, avec cette armoire que tu vois juste derrière, donc qui est une armoire Facom, hein, en gros une desserte d'atelier. Où dedans, bah, il y a plein de, c'est un peu une démonstration de tiens, bah, ça c'est un capteur de température, ça coûte 20 centimes, ça c'est un capteur de luminosité, ça c'est un capteur ultrason qui permet de, c'est le même qu'il y a dans les voitures pour faire le bip bip des radars de recul. Et bah, typiquement quand on montre ça aux agriculteurs, ce radar de recul là, il y en a un qui nous a dit, donc on lui montre enfin, très 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 facilement hein, ce petit capteur comment ça fonctionne, et il nous a dit mais moi j'ai une cuve qui s'est mise à fuir pendant les vendanges. C'était une cuve de 80 hectolitres, donc ça représentait 10% de son chiffre d'affaires, et Ça elle fait s'est mise combien à de fuir. litres, 80 hectolitres? Ça fait 80, ça fait 8000 litres. D'accord, ah ouais, en effet. Donc, ouais, c'est assez gros. Mais en viticulture, on parle souvent en hectolitres. Donc, un hectolitre, c'est 100 litres. Donc, 80 fois 100, c'est bon, ça fait bien 8000 litres. Je me vérifiais moi-même. Et du coup, il nous a dit, mais elle s'est mise à fuir. Le joint était mal serré. Donc, il y avait un goutte à goutte, en fait. Pendant les vendanges, il avait autre chose à faire que de regarder les cuves en permanence. Enfin, disons qu'il y a plein de choses à faire pendant les vendanges et il regardait pas derrière si le joint était bien serré. Et donc, bah, en fait, ça a fait un goutte à goutte et la cuve a bah, diminué en volume tranquillement. Et puis, au bout de 2 jours, il y avait trop d'air dedans, la fermentation est mal partie, etc. Il a dû jeter les 80 hectolitres. Donc, il a dû jeter 10% de son chiffre d'affaires. Et il nous a dit, mais c'est quand même bizarre parce que c'est que de la tôle, une cuve. Ce serait pas possible de faire un petit système qui permet de m'envoyer une information avec ce radar ultrason là que vous m'avez montré. Donc, on pourrait mesurer la distance par rapport au vin. Et puis, bah, si ça diminue un peu trop fortement, que ça m'envoie une alerte pour que je puisse la changer de cuve ou enfin agir en tout cas rapidement, quoi. Donc là, il y avait cette idée d'avoir une petite information à distance et puis faire ce suivi temporel sur une semaine ou deux, voir comment ça évolue. Et donc, bah, ça, c'était un des premiers projets qu'on a réalisé avec les étudiants, de développer ce petit capteur, ce petit système. Donc nous, ça nous a permis aux étudiants d'expliquer, bah, voilà, ce capteur-là, comment ça fonctionne, comment ça marche un capteur, comment on arrive à lire une distance, la transformer en tension, voltage, l'envoyer ça et le voir la courbe directement sur l'ordinateur. Donc la finalité, c'était arriver à ça. Et puis ensuite, on l'a mis dans les mains de l'agriculteur qui a pu nous faire une amélioration, une V2, une V3, etc. Et quand on a eu quelque chose de stabilisé, alors quand je te dis V2, V3, c'est du coup la deuxième année, les nouveaux étudiants ont pu retravailler D'accord. sur ça. Puis la troisième année, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive, nous, à quelque chose de solide, de fiable, de robuste. Et donc, dans ce cas-là, nous, on fait une publication scientifique pour se dire, ben voilà, un capteur low-tech qui permet, parce qu'en gros, ce type de système, ça coûte une vingtaine d'euros, quoi. C'est pas cher. Mais par contre, il y a le penchant, le côté obscur, en gros, du low-tech, c'est que, ben, il faut avoir des compétences quelque part sur c'est pas un truc avec une entreprise, il y a un problème, j'appelle directement, il y a la maintenance, il y a le suivi, tout fonctionne bien. Là, c'est plutôt bah, que l'agriculteur, et du coup lui s'y était prêté au jeu, c'est bah, d'intégrer cette compétence en fait, de comprendre un petit peu comment ça marche et tout. Et puis bah, si un jour il y a un petit fil qui est débranché ou un truc comme ça, il sait où le remettre. Alors c'est pas sorcier en soi hein, mais il sait un petit peu comment ça. Donc pour accompagner ces agriculteurs,
On a fait en plus de ça des tutoriels qui sont disponibles sur le site du mobilab.agrotique.org, des tutoriels pour développer soi-même en autoconstruction son petit capteur et puis le réparer si jamais il y a un petit problème, quoi. Donc on a un besoin d'un agriculteur qui nous permet d'alimenter la formation. Les étudiants sont ravis de bosser pour un agriculteur, de développer, d'avoir un projet concret, quoi. Et puis on a aussi des publications scientifiques qu'on fait via ce projet. Et on met à disposition pour la profession, pour n'importe qui, alors, faut avoir zéro prérequis en numérique, etc. On les met à disposition pour n'importe qui, quoi. Donc là, je peux aller genre sur ton site, on va dire, enfin sur le site de l'Institut Agro Montpellier ou d'Agrotique, retrouver tout le tutoriel et je le suis de A à Z et je me fais mon propre capteur chez moi, peinard, sans avoir à acheter un truc à 200 euros, je ne sais où, c'est ça? Ouais, en gros, c'est alors. Oui, c'est ça dans l'idée. Alors, il faut mieux aller sur le site mobilab.agrotique.org parce que l'Institut Agro, c'est très foisonnant. Il y a plein de choses dans tous les sens. Donc, pour retrouver le Mobilab dans l'Institut Agro, ça doit y être quelque part, mais il faut le trouver. Donc, le site, c'est mobilab.agrotique.org et tu peux accéder au tutoriel. Et là, actuellement, il y a 3-4 tutoriels. Alors, c'est principalement sur des capteurs de gestion hydrique, humidité des sols. Gestion de la pression dans les systèmes de canalisation. Quand on fait de l'irrigation en goutte à goutte, en arboriculture notamment, s'il y a une fuite quelque part, la pression elle diminue, quoi. Et donc, du coup, on peut voir ces informations-là. C'est un capteur qui prend une valeur toutes les 5 minutes de pression et puis qui nous fait une courbe. Et puis, dès qu'il y a une irrigation, on voit que la pression, paf, elle augmente d'un coup. Et puis, quand on arrête, hop, ça redescend. Et puis, si on voit un truc comme ça, c'est pas normal. Donc, il faut intervenir. En tout cas, il y a une fuite quelque part, quoi. C'est mieux de le savoir en amont. C'est toujours plus facile. Et puis, ça permet aussi pour ce capteur-là, par exemple, cet objet connecté là de pression, qu'on appelait Iritrace, en partenariat avec d'autres projets de recherche, instituts, je pense à SUDEXP. Principalement. Ce petit capteur de pression, il permet aussi de faire la traçabilité. C'est quelque chose qui est demandé de plus en plus aux agriculteurs qu'est-ce que j'ai fait, dans quelle parcelle, à quel moment, etc. Et puis l'agriculteur, c'est pas son métier, il a pas envie de remplir de la paperasse de façon générale. Et donc du coup, avec ce type d'objet connecté, on peut suivre l'irrigation d'une parcelle, d'un système, et du coup, s'il y a un contrôle ou quoi que ce soit, on peut donner en libre accès toutes les informations et tout y est, quoi, tout est dessus. Trop bien. Et est-ce que du coup, dans ce cursus agrotique, chaque année, tu arrives à avoir un projet ultra concret comme ça pour tes étudiants? Parce que ça, c'est génial. Moi, j'ai pas été en institut, en ingénieur, mais j'ai fait une licence. Et je me rappelle, c'était super théorique. Et franchement, c'est vachement lourd, surtout quand tu commences à parler de capteurs, de tension, de signaux et machin. Mais là, c'est magnifique parce que c'est ultra pratico-pratique, comme on disait ça. Ouais, c'est ça. Alors, on forme pas des ingénieurs techniques, geeks, informatiques, etc. Nous, on reste sur des ingénieurs agro, et souvent, ils vont se tourner vers des métiers chef de projet dans une entreprise pour diriger une équipe, peut-être d'informaticiens. Et eux, ils vont faire le lien entre ce monde agricole et ce monde informatique. Donc, quelque part, on a le beau rôle de pas rentrer dans les détails d'une dérivée intégrale, etc. Nous, on reste très très en amont de ça. Mais par contre, c'est intéressant de comprendre dans les grandes lignes comment ça fonctionne, et avec un aspect le plus ludique possible. C'est là où on frôle un petit peu les missions de C'est pas sorcier de Fred et Jamy, où on vient vulgariser avec des petits ateliers, des petits trucs pour montrer en fait comment ça fonctionne. On le montre aux étudiants, puis on le montre aux agriculteurs. Et donc c'est là où la desserte que je t'ai montrée, qui était juste derrière moi, depuis fin novembre, là on est parti carrément sur un camion, donc un espèce de camion utilitaire qui a le flanc qui s'ouvre et qui permet de faire des animations de vulgarisation, de démystification du numérique auprès des agriculteurs, un peu n'importe où. On se promène dans un champ, donc c'est un camion qui a 4 panneaux photovoltaïques, donc qui est autonome en énergie, qui a son petit réseau internet. On peut vraiment montrer toutes les choses, même depuis un champ complètement isolé. On peut montrer toutes ces choses-là. Le numérique, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que c'est vrai qu'un Trop bien. Un agriculteur, quand il achète un capteur, c'est plutôt une boîte noire.
Et puis, bon, il veut pas trop se soucier de la. Je pense à un capteur de température, par exemple. C'est la boîte noire, mais ça fait peur en plus. Hein. Quand on ouvre, on voit des circuits imprimés, on voit des choses. C'est clair. C'est jamais. Quand on est agriculteur, ça nous intéresse pas de voir ça, clairement. Ou même conseiller viticole, etc. C'est pas le cœur du métier. Mais ce qu'on s'est dit pourtant, c'est qu'en fait, un agriculteur, c'est un bricoleur, c'est un bidouilleur. Il y a tous les agriculteurs quasiment ont un atelier chez eux. Ils ont un marteau, ils ont un poste à souder. Tous les agriculteurs développent des petits systèmes, des petites solutions. Bah, il y a un vérin qui lâche sur un engin. Bon, bah, j'en ai un en rab. S'il y a un truc à souder. Enfin, ils sont très très créatifs dès que ça touche à ça. Et on s'est dit, mais c'est bizarre parce que le numérique, maintenant, on y arrive avec cette approche-là aussi de bidouille, de bricolage, c'est plus qu'un truc très conceptuel à faire sur un ordinateur, très poussé technologiquement parlant, etc. Maintenant, on peut faire des petits systèmes, des petites solutions, des petits capteurs. Et donc, on s'est dit, bah tiens, les agriculteurs, ils ont peut-être une carte à jouer là-dessus, ou alors les coopératives, les conseillers, ou en tout cas, le monde agricole, il n'est pas encore armé sur le numérique avec une approche low-tech. Et donc, bah, le but de ce camion, c'est d'aller diffuser ça, quoi, expliquer comment ça fonctionne. T'as réinventé, c'est pas le food truck, c'est le technologie technology Ouais, truck. c'est vrai que le camion ressemble beaucoup à un food truck, mais ça se mange pas, ce qu'on a dedans. Mais c'est trop bien, enfin ce que tu fais, tu parles des agriculteurs, mais ça va être pareil. Moi je suis du matériel agricole et je sais que, alors sans faire de généralisation, mais la plupart des techniciens dans le matériel agricole, dès qu'on va toucher un capteur ou qu'on va ouvrir un calculateur ou une carte électronique, ah mon Dieu, bah personne ne touche à ça parce que ça fout les boules et en plus l'électricité et l'électronique c'est pas palpable donc ça a toujours été un truc Ouais. super compliqué. Moi qui ai fait de la formation technique chez AGCO pendant 6 ans, c'était toujours un gros sujet. Alors l'hydraulique est compliqué, mais alors l'électrique, comme tu sais, c'est pas palpable, tu vois pas, tu peux pas Ouais. plier le tuyau pour arrêter le jus. Tout le monde en a pas un peu peur, mais tout le monde se dit, oh putain, j'ai pas envie de toucher à ça. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer, quoi? mais D'accord, c'est ok, tout un c'est génial. concept, hein. Mais c'est marrant, ça me fait penser à une à Bruno Tisser, qui est responsable de la spécialisation, qui est responsable d'agrotique de l'équipe, qui est professeur ici à l'Institut Agro, qui nous a dégoté un vieux livre qui date de 1928. Je t'enverrai les photos si jamais tu veux les mettre. Un vieux bouquin, donc c'était il y a 100 ans, et c'est la publication, l'article, c'est une méthode directe pour faire connaître les applications de l'électricité aux agriculteurs. Donc en 1928, ils Excellent. expliquaient que les agriculteurs. Le monde rural n'avait pas trop utilisé encore l'électricité, et c'était comment diffuser ça, comment expliquer ça. Alors ils avaient fait, on est tombé de haut, hein, ils ont fait un camion mobile avec dedans une cuisine, avec un four électrique, avec un chauffe-eau électrique, avec une pompe d'irrigation électrique, tous ces systèmes-là pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc c'est marrant parce que Excellent. bah, du coup, d'une, ça veut dire que nous, on n'a rien inventé. Et de deux, ça veut dire que c'est l'histoire qui se répète peut-être quelque part, parce que on a exactement les mêmes constats que eux, ils ont marqués dans leur livre, en termes de les agriculteurs sont méfiants par nature, le vendeur de courant, il va chercher à accroître son profit, etc. Et c'est la même chose pour la vision qu'on a en tout cas du numérique. Actuellement, les agriculteurs sont plus méfiants en termes de numérique, et les conseillers, et les techniciens, etc. C'est pas très très comme tu dis, c'est pas palpable, c'est un peu flou, on sait pas trop ce qu'on peut en faire. Et puis il y a aussi ce côté push techno, c'est-à-dire que puisqu'on peut faire cette technologie-là, on va essayer de la diffuser. Alors dans le grand public, ça marche, parce que on a des pulsions d'achat, etc. Dans le monde agricole, bah, il faut que ça soit fonctionnel, il faut qu'il y ait un besoin derrière. Donc des fois, il y a des entreprises qui se cassent un petit peu les dents sur ça, quoi. D'accord. Pour en revenir à Agrotique, le cursus, il dure combien de temps? Alors, Agrotique, c'est la spécialisation de dernière année de l'Institut Agro-Montpellier. Donc, c'est un an, D'accord. c'est 6 mois, et après 6 mois de stage de fin d'études. Alors, Agrotique, c'est, là, je parle de l'Institut Agro-Montpellier, mais la spécialisation, elle est mutualisée. Alors, c'est une des spécificités avec Bordeaux Sciences Agro. Donc, c'est des étudiants qui viennent à la fois de Montpellier et à la fois de Bordeaux. Donc, on a 30 étudiants par an. On s'est fixé cette limite, vu qu'on a, comme je te disais tout à l'heure,
une pédagogie par projet. On évite d'aller plus loin. Ça devient très compliqué si on est plus de 30 étudiants, parce que chaque année, bah, il faut un nouveau projet, donc c'est une nouvelle formation, quoi, quelque part. Tout est différent. On ne peut pas faire quelque chose devant un amphi de 150 personnes. On essaye de mettre un maximum de pratique aussi. Voilà, on limite à 30 étudiants. Mais ouais, donc c'est que une année, et même c'est que 6 mois, et après une année de une 6 mois de formation et 6 mois de stage. Ça se fait en C'est alternance pas, aussi. c'est pas. Ah bah c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est de l'alternance ou du stage? Non, t'as le choix de faire les deux. Ouais, t'as le choix de faire les deux. Nous, on pousse à fond sur l'alternance, ça se voit sur la, en fait, à la qualité des mémoires. Entre quelqu'un qui a fait un stage pendant 6 mois, il lui faut déjà 2 mois pour s'approprier les missions, etc. Puis voilà, en fait, ça va très très vite, 6 mois. Alors qu'en alternance, c'est 1 an, même s'il revient se former. Mais déjà, dès les 2 premières semaines, il met un pied en entreprise, il voit comment ça se passe. Puis il revient en cours pour se former, et tout de suite, il a le déclic. C'est ah ben oui, ce que j'apprends là, c'est parce qu'on me le demande dans ma mission au travail. Donc ça fait des étudiants qui sont très responsable d'une mission, d'un projet qu'on leur confie. Et donc c'est quelque chose qui est très très valorisé, hein. Sur les 30 étudiants, on a 15 à 20 alternants. On le pousse au maximum. Donc voilà. C'est quoi le rythme de l'alternance? C'est 2 semaines, 2 semaines par exemple? Non, alors, tu commences à comprendre qu'on fait des trucs un petit peu très à la carte, ou très et bah, typique, enfin très très originaux, quoi. On se prive pas d'imaginer des choses. Et donc là, la formation, c'est au début de 2 semaines en entreprise pour se rentrer immersif et tout. Et puis après, tout le monde retourne en formation. Donc là, on retrouve les 30 étudiants, et ils font un tronc commun agrotique, donc les concepts des nouvelles technologies, de QGIS, de la géomatique, de la cartographie, de la programmation, de l'informatique, des capteurs, etc. Là, ils ont 1 mois de formation. Et puis après, les étudiants qui sont pas alternants restent avec nous. Et les autres, ils choisissent, en fait, c'est des modules de 2 semaines ensuite, d'approfondissement sur la géomatique, d'approfondissement sur la programmation, etc. EDI, les échanges de données informatisées, un peu en lien avec le machinisme agricole. Donc du coup, c'est les étudiants, en fonction de bah, ce qu'on leur demande dans leur entreprise, puis aussi en fonction de leurs envies personnelles, c'est eux qui vont choisir et faire à la carte un petit peu leur propre calendrier, Vache, super. Mais comment toi t'arrives à, administrativement enfin parlant. vous et ouais, l'équipe, comment t'arrives à gérer ça? Ça veut dire que les autres en fait qui sont en continu, on va dire, qui ont un stage à la fin, eux ils continuent de se former aussi au choix, enfin à la carte, je veux dire. Ben, eux, ils sont là sur toute l'année, les étudiants. Et du coup, vu qu'on a ce tronc commun, on considère qu'avec ce tronc commun, c'est déjà une bonne base pour être ingénieur agronome. Et on voit dans ce tronc commun une semaine, par exemple, de géomatique, de cartographie, de la télédétection, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis si on fait qu'une semaine, et puis ensuite, si on veut se spécialiser dans ça, il y a ces modules optionnels qui sont à la carte, dont 2 semaines de télédétection approfondie, géomatique, cartographie approfondie. Donc un étudiant qui veut se spécialiser dans ça, il va choisir ces 2 semaines-là. Et puis il va pas faire les autres. Il sera en alternance, en entreprise, les autres modules pendant ces périodes des autres modules, quoi. Donc ça fait Non, ça, c'est... ça, ça fait que chaque toutes les 2 semaines, quand on donne un cours, on sait plus vraiment qui va être là, qui va pas être là. Donc ça demande de faire un suivi très très rigoureux de la formation, quoi, comment ça se passe. Ça, c'est une de nos problématiques constamment, d'être le plus rigoureux possible, quoi. En même temps, c'est génial, quoi. Enfin, je trouve ça vaut de l'or parce que t'es pas obligé de te taper tout un tas de trucs dont tu sais, enfin, déjà que un, par exemple, ça t'intéresse pas et que deux, t'en auras aucune utilité. La formation à la carte, je veux dire, dans un institut comme le vôtre, je savais pas que ça existait. C'est trop bien, quoi. Félicitations de pouvoir permettre ça parce que ça va être sportif pour vous plus que pour les étudiants. Ouais, c'est vrai que c'est très sportif. On a quand même ce tronc commun où on considère que bah, quelqu'un qui veut pas faire de programmation d'intelligence artificielle, par exemple, il est obligé d'en faire un petit peu. Ça, c'est sûr. Et puis ensuite, par contre, il n'est pas obligé de se spécialiser dedans. Et ça, c'est grâce à l'alternance, hein, qu'on a ça. Parce que bah, du coup, il acquiert d'autres compétences dans cette alternance qui permet d'avoir, en enseignement, on parle de ECTS, là, des acquis. Il faut 30 points ECTS à la fin de l'année pour valider son diplôme ingénieur. Et donc, du coup, il peut les avoir via l'alternance.
Ça, c'est vrai que c'est top, ça. Et pour accéder à cette spécialisation, t'es obligé d'avoir fait le cursus ingénieur dans une de vos écoles partenaires? Ou par exemple, moi, si j'ai envie de faire ça, je peux me pointer chez vous et puis postuler et rentrer là, dans cette spécialisation? Alors, il y a quand les années, ou il y a quelques années, où on avait un peu plus que, enfin, un peu moins de 30 élèves, donc on avait un peu de place, il y avait ce qu'on pouvait faire des contrats de professionnalisation, où si tu décidais de changer de boulot, et que l'entreprise pouvait te payer cette formation, en tout cas, pour que tu puisses intégrer cette compétence agrotique. Donc, on a eu des étudiants, de personnes en reconversion. Cursus classique, c'est quand même les étudiants ingénieurs. On ouvre aussi à d'autres spécialisations, mais bon, nos étudiants sont prioritaires. Donc, dès qu'on dépasse le quota de 30, on est obligé de fermer. Il y a des étudiants de l'étranger aussi, d'autres écoles, qui sont toujours intéressés pour faire agrotique. On a maintenant à l'Institut Agro Montpellier, on pousse de plus en plus l'apprentissage. Donc l'apprentissage dès la première année, de faire une espèce d'alternance dès la première année. Donc ils font 2 ans à l'Institut Agro Montpellier, puis la dernière année en agrotique, toujours en apprentissage dans leurs entreprises. Et ça, c'est des étudiants qui ne passent pas spécialement par le cursus prépa, plutôt des BTS, des IUT, etc., etc. Donc ça fait un autre profil d'étudiant et qui est très intéressant, okay, je trouve, parce que il y a plus de contacts avec le monde agricole quand on fait un BTS, un MIT, etc. Et est-ce que c'est compliqué justement de trouver de l'apprentissage, enfin des entreprises pour faire de l'alternance ou de l'apprentissage quand tu es dans ce secteur? Alors nous, on accompagne nos étudiants. Il y en a certains qui ont un profil un peu geek et qui veulent limite, c'est un peu une porte de sortie du monde agro pour arriver vers le monde de nouvelles technologies, etc., enfin développement. Il y en a hein, quelques-uns. Eux, on va pas les... Si on voit une offre de stage, gestion de projet, encadrement d'une équipe, etc., on va pas spécialement leur conseiller de faire ce type d'offre, évidemment. Donc, on les accompagne, nos étudiants. Faut savoir que cette année, par exemple, l'année dernière, on a eu... 110 offres de stage pour nos 10 étudiants qui font un stage. Pour les alternances, ah ouais, pour 20 étudiants qui font une alternance, ça, on en a eu 40, un truc comme ça. Donc, quelque part, on a le vent en poupe, donc c'est top. Hein. Je pense que les entreprises se rendent compte de l'importance d'intégrer cette nouvelle compétence, parce que c'est quelque chose qui arrive, qui est neuf, qui est nouveau, qui est attractif aussi dans le marché de l'emploi. Qui est très jeune quoi, comme compétence. Mmh. Mais du coup, oui, c'est très, très demandé. C'est super pour nous. Voilà, enfin, y a plusieurs types de profils. Hein. On va avoir des profils ingénieurs R&D dans une entreprise. On va avoir les product owners, donc gérer avec ce qu'on appelle les méthodes agiles, gérer dans une entreprise une petite équipe, comment être le plus productif possible en prenant en compte de toutes ces... Enfin, c'est vraiment... Et puis, on va avoir les côtés un petit peu plus geek, donc techniciens, développeurs. On va avoir ceux qui vont travailler dans la recherche, dans les instituts publics. Enfin, voilà, j'en passe plusieurs. Mais toujours, c'est ce côté, l'ingénieur agrotique qui va être à cheval entre les nouvelles technologies d'un côté et l'agriculture de l'autre. Donc, c'est quelqu'un qui va parler à un agriculteur et transformer ça en... discuter avec l'équipe sur qu'est-ce qu'il faut faire. Parfois un petit peu plus techno, parfois un petit peu plus agro. Voilà, c'est marrant parce que paradoxalement, donc on fait partie des spécialisations où les étudiants ont le plus de terrain à faire, d'aller au contact des agriculteurs du besoin, alors que c'est la spécialisation qui souvent est vue comme l'aspect peut-être un peu informatique, etc. C'est pas du tout le cas. Ouais, en fait, carrément. Ouais. Il y a de l'informatique, hein, clairement, il y a du développement, mais c'est surtout du contact avec le monde agricole, quoi. Paradoxalement, il y a beaucoup de terrain à faire et beaucoup de ça. Ah, c'est génial, parce que c'est ça qui vaut de l'or. En plus, j'allais dire, une fois que tu es passé par là, les entreprises qui connaissent votre formation, je sais pas, elles doivent te manger dans la main, parce qu'on a toujours ce problème-là de quand tu fais du développement ou des trucs sur l'électronique hyper, d'un haut niveau technologique, souvent voilà, tu te dis que les gens ils y connaissent rien à l'agriculture et qu'ils développent des trucs qui fonctionnent pas, qui sont pas en lien avec ce que les gars ils attendent, alors que là vous leur offrez cette passerelle et c'est génial. Ouais. Enfin, franchement, pour le voir souvent dans les bureaux d'études par lesquels je suis passé,
les gens ils sont à la ramasse quoi, ils font des trucs où tu leur dis mais non mais ça en fait c'est cool que tu l'aies fait mais ça sert à rien pour l'agriculteur en fait donc tu peux tout recommencer. Et en fait ils comprennent pas parce qu'il n'y a pas le lien. Je me rappelle même chez ACCO maintenant pour les ingénieurs qui rentraient ils leur faisaient même des formations sur voilà ils allaient à la ferme, qu'est-ce qu'il y a dans une ferme et tout. Alors il y en a ils connaissent bien sûr hein, mais il y en a d'autres ils connaissent rien donc ouais. C'est génial de pouvoir le faire pendant le cursus parce que justement ça vaut de l'or aux yeux de toutes les entreprises du milieu agricole qui galèrent à recruter des gens qui connaissent le secteur quoi. Trop bien. Alors ouais, on a une structure de formation continue. Donc, tu parlais tout à l'heure là, de est-ce que je peux faire moi agrotique. Alors agrotique en tant que tel c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Mais par contre, les formations continues, on a quelqu'un dans l'équipe, Basile, un collègue, qui est responsable de ça. On a développé ce petit capteur, cette petite solution, ce que je te parlais tout à l'heure. Un agriculteur peut venir et se former en une journée, ou une demi-journée, ou deux jours, ça dépend de la complexité du système et des prérequis qu'il faut donner avant de développer le truc. Et donc c'est des formations qui sont souvent remboursées par, enfin subventionnées par les OPCO ou les OCAPIAT ou les fonds Vivea, donc c'est largement subventionné pour se former pour développer ces petits systèmes là. Alors les entreprises ont fait aussi soit des formations continues ou soit des prestations pour certaines entreprises, et je pense à une formation qui s'appelle, c'est pour ça que ça m'a fait rebondir sur ça ce que tu viens de dire, une formation qui s'appelle Vie ma vie de viticulteur. Trop bien. En gros, Vie ma vie de viticulteur connecté, mais c'est surtout aussi les entreprises qui ont des personnes qui sont des développeurs ou des qui finalement genre sont sur leur ordi mais se rendent pas compte en fait de comment ça marche une entreprise agricole. Mmh. Comment ça se conduit un tracteur, des trucs tout bêtes, ou ne serait-ce que et donc du coup on a un domaine viticole en production qui est rattaché à l'Institut Agro Montpellier qui s'appelle le domaine du chapitre, qui est à 6-7 kilomètres d'ici, une dizaine de kilomètres, et donc du coup nous ça nous permet au-delà de pour l'enseignement c'est top, pour les projets de recherche c'est vraiment top aussi, on a des parcelles de vignes en production, et c'est vraiment notre terrain, notre bac à sable quoi. Et au-delà de ça on fait des formations, donc Vie ma vie de viticulteur, où c'est le responsable communication de l'entreprise avec le chef de projet plutôt ingénieur ou développeur ou la RH aussi qui viennent et qui passent une journée en fait au domaine du chapitre et puis qui discutent avec le viticulteur, on fait une journée avec eux quoi, comment ça marche la viticulture, il y a les grandes cultures, le blé, un petit peu le parcours de production, et puis c'est la salle d'embauche, vous voyez il y a le tractoriste qui est venu à 5h du mat, qui a laissé un petit mot, c'est comme ça que nous on communique, et eux ils sont là, mais pourquoi vous avez pas un WhatsApp, pourquoi vous avez pas ça, parce que c'est le monde agricole aussi, il y a des gens qui sont pas spécialement intéressés pour avoir un téléphone qui vibre dans la poche tout le temps, et c'est comme ça que ça fonctionne, donc ils se rendent compte de tout ça, qui touche du doigt, puis il y a un petit atelier où il y a un tracteur, on explique comment ça fonctionne, et puis ils le conduisent, et du coup ils se rendent compte comment c'est et tout ça, et je pense que elle est vraiment bien cette formation, parce que au-delà de l'aspect un peu team building je pense pour l'entreprise, d'amener son personnel passer une journée dans un domaine, au-delà de ça un développeur quand il commence à coder ensuite ou faire de la mise en forme du design d'une plateforme, il pourra se dire maintenant en fait si je fais ça ça va pas le faire, il vaut mieux que je le fasse de cette façon là. Ou une responsable com, si elle communique de cette façon-là, ils vont plus se projeter dans leur métier. Quoi. Donc ça, elle est vraiment bien, cette formation continue. C'est trop bien, ça. Je savais pas que ça existait, mais ça vaut de l'or, ouais, parce que si les gens ils sont pas capables de faire le lien avec le domaine qui est hyper spécifique, que peu de gens connaissent, sans compter les gros clichés qu'on peut avoir, qui sont horribles et qui doivent être encore pires. Salut, c'est Johan, je te remercie d'écouter mon podcast, ça fait extrêmement plaisir. Si t'es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si t'es sur une plateforme d'écoute audio, vas-y, laisse un avis s'il te plaît, comme ça va m'aider à faire monter ce podcast et surtout à le faire connaître au plus grand nombre de personnes pour attirer des nouveaux profils dans le matériel agricole. Merci, salut. Pour pousser un peu plus loin dans l'agrotique service, là, ce truc qui nous permet de faire des prestations pour les entreprises, on a aussi
Bah, des entreprises qui, elles, au sens, pas au sens développeur, au sens com, mais plutôt au sens concrètement, les besoins, c'est difficile à les chercher, c'est difficile à les sonder. Notre solution, qu'est-ce qu'elle vaut? Et du coup, il y a plusieurs entreprises qui se posent ces questions-là sur comment le numérique évolue au sein de. Ouais, comment le numérique évolue au sein de l'agriculture, comment il est approprié, est-ce que à terme il y a une solution qui, on en a entendu parler, mais c'est plutôt conceptuel, quand est-ce que ça devient vraiment concret? Je pense à, par exemple, Centipède, la géolocalisation. Au début, c'était au tout début, au lancement, ben, la couverture n'était pas bonne encore. Donc, comment ça évolue? Qu'est-ce que c'est concrètement le RTK, la géolocalisation centimétrique? Qu'est-ce que c'est aussi la 5G? On parle de la 5G, mais en fait, est-ce que ça vaut quelque chose en agriculture? Et toutes ces entreprises se posent ces questions-là. Et donc, elles intègrent des projets mécénaux. Donc, il y a un projet mécénal qui s'appelle la chaire agrotique et un autre qui s'appelle le MaaS numérique. Donc, la chaire agrotique, donc une chaire d'entreprise portée par l'Institut Agro Montpellier, Bordieu Sens Agro et INRAE. C'est des entreprises qui, alors des entreprises qui dans l'agtech très très variées. On a la petite start-up qui fait un capteur de flux de sève par exemple dans les vignes, qui fait un modèle d'accompagnement en viticulture. On a aussi Airbus, voilà. Donc là, c'est pas la D'accord. petite start-up qui met des satellites pour faire des photographies de la terre et notamment de parcelles viticoles ou arboricoles ou de grandes cultures. Donc on peut avoir des informations spectrales qui peuvent être intéressantes pour piloter sa fertilisation, par exemple. Puis on a ces fournisseurs de services et puis on a aussi des coopératives qui, elles, ben voilà, nos viticulteurs, nos agriculteurs, ils se posent des questions sur ça, ils ont ce besoin-là, comment on fait, nous, pour les accompagner, etc. Donc, on a vraiment plein, plein de profils différents dans la chaire agrotique. Et nous, notre boulot dans l'équipe agrotique, bah, c'est de répondre un petit peu à ces besoins. Donc, on fait une étude d'opportunité, on fait un séminaire sur Centipède ou sur les données libres, par exemple, qu'est-ce qui est libre, comment l'IGN est en train de mettre en open source toutes ces, enfin, en libre accès toutes ces données, quelle est leur stratégie, etc. Donc on fait venir des personnes, et puis n'importe qui aussi sur comment je m'approprie ces données libres. Je pense à une boîte qui s'appelle Permagro, qui utilise pas mal de toutes ces données. On pense à Sentinel-2, par exemple, un satellite qui est gratuit, merci, merci l'Europe. Pour visualiser des données, tous les 5 jours, il y a une nouvelle image qui vient et on voit que ça verdit de plus en plus, par exemple. Et donc, Ah ouais, d'accord. Mais alors, attends, du coup, tu fais ça avec tes étudiants ou c'est l'équipe pédagogique juste qui s'occupe de ce genre de projet? Sur les séminaires, etc., c'est nous, ingénieurs de l'équipe agrotique, qui sommes un petit peu à la manœuvre. Parfois, dès qu'il y a une étude d'opportunité un peu poussée, on se dit, bah, tiens, ça, c'est un super bon projet pour les étudiants. Et donc, ce sera le projet de cette année sur la télédétection appliquée à tel besoin en particulier, une étude d'opportunité sur, allez, on va rêver, est-ce qu'on peut détecter avec un satellite si il y a la maladie de la flavescence dorée, ou je ne sais pas, est-ce qu'on peut la détecter en amont, précocement? On peut toujours rêver, bah, nous, avec les étudiants, on est là pour ça, quelque part. Pour voir comment ça D'accord. fonctionne. Puis les entreprises qui les intéressent aussi, c'est d'avoir ce contact avec la formation, ce contact avec le monde de la recherche, évidemment, mais la formation aussi. On a des étudiants qui sont là, qui sont intéressés pour ensuite trouver une entreprise. Donc, comme je te disais, on a le vent en poupe, on a beaucoup, beaucoup d'offres de stage. Et bien là, les entreprises, elles ont un lien privilégié direct avec les étudiants. Donc ça, c'est top pour elles. Et Puis du pour les coup, je étudiants, reviens un nous, peu en c'est top. arrière. T'as parlé d'agrotique service. Ça veut dire que moi, si je suis une entreprise, je peux vous démarcher pour dire, moi, j'ai une problématique. J'ai pas 15 chercheurs. J'ai pas trop d'argent. Est-ce que vous pouvez chercher pour moi, c'est ça? C'est ça. C'est ça, donc Agrotic Service, c'est cette structure-là qui nous permet de faire ça. Quand c'est une prestation qui. Enfin, quand c'est un sujet de la chaire agrotique, par exemple, qui est. Donc c'est un projet mécénal, donc il faut que ça intéresse plusieurs entreprises. Enfin, toutes les entreprises, et puis on diffuse en libre toutes les avancées, les études d'opportunités, etc. Si on a une entreprise qui nous vient et qui vient nous voir et qui nous dit, bah,
Là, j'aimerais que vous poussiez un petit peu plus ce travail pour nous, parce que nous, c'est très spécifique. On est sur la culture de blé dur, où on est sur ce secteur géographique précisément, ou je sais pas, une demande un peu plus spécifique pour cette entreprise. Là, on est capable de faire une prestation. Et donc, D'accord. une prestation d'accompagnement, d'expertise, de veille technologique sur ça, sur qu'est-ce que, en gros, qu'est-ce qu'on, enfin voilà, on se focalise sur ça. Alors en général, on Qui aime restera bien privé, quoi. une prestation qui restera privée, comme un prestataire de service, quoi. Ouais, Et on d'accord. aime bien, nous, quand même, essayer de voir si on peut, via cette prestation, récupérer un jeu de données, par exemple, de toutes les parcelles viticoles toutes les parcelles viticoles de Côte-du-Rhône, par exemple, si on travaille avec, je sais pas, un syndicat, ou ça peut être ça, ou ça peut être, est-ce qu'on peut mettre nos étudiants sur, est-ce que on peut le greffer ça à l'enseignement? Du coup, dans ce cas-là, c'est une prestation que qui nous intéresse particulièrement. Si c'est une prestation de quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on n'y a aucune valeur ajoutée, bah, on va pas spécialement la faire, parce qu'il y a des cabinets, des structures de conseil qui sont là pour faire ça aussi. Nous, on est plutôt sur le lien avec l'enseignement, le lien avec la recherche. Est-ce qu'on peut avoir un jeu de données qui va nous permettre d'améliorer nos projets de recherche, etc., etc. Mais c'est faisable de faire une D'accord. prestation avec Agrotech Service. Ok, et tu parles de chaire, est-ce que tu peux nous expliquer très basiquement c'est quoi une chaire, ce qu'on appelle une chaire avec l'Institut Agro Montpellier? Ouais, bah, une chaire, ma façon de voir les choses, c'est justement ce que je viens de te dire tout à l'heure. La chaire, c'est un projet qui est porté par des instituts, qui est mécénal. Donc c'est des entreprises qui sont mécènes, donc qui vont faire un peu une donation, quoi, en gros. D'accord, ok. Alors, bon, il y a tout un système après de défiscalisation, etc. Mais ça, c'est sur l'aspect à peu près budgétaire. Mais sur l'aspect le fond, concrètement, c'est ces entreprises qui se posent toutes les mêmes questions, et au lieu d'investir du temps je vais moi-même faire ce travail, ben nous, on fait un peu de la co-occurrence. C'est pas de la concurrence, parce qu'il y a des entreprises qui sont très concurrentes, hein, dans cette chaire, mais elles se posent toutes les mêmes questions. Donc autant faire en sorte que tout le monde ait les mêmes informations, que ce soit bien fait en amont, et qu'il y ait quelqu'un qui prémâche ce travail via ses études d'opportunité, via ses séminaires, via ses observatoires. Ça, c'est donc une collègue, Victoria, là, qui s'occupe de l'observatoire des usages des outils numériques. Donc, elle va faire des sondages, des enquêtes auprès des agriculteurs, qui a un système de géolocalisation, d'autoguidage de tracteurs. Qui a ça, qui ne l'a pas? Et si tu ne l'as pas, ben, pourquoi? Quels sont tes freins? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est trop complexe à mettre en place, etc.? Est-ce que tu D'accord. utilises la télédétection pour gérer la fertilisation de tes parcelles de blé? Si oui, qu'est-ce que tu trouves avantageux? Sinon, etc. Et donc, du coup, ben, on fait maintenant, on fait des observatoires, donc des infographies sur, ben, voilà, en Argentine, en Amérique du Sud, la télédétection est utilisée à tant de pourcents. Le principal frein, c'est ça. Les enjeux, ce qui les intéresse, c'est plutôt ça. La différence de la France, c'est plutôt ça, etc. D'accord. Et donc, on fait ces données qui sont, encore une fois, reprises par toutes les entreprises, hein, de la chaire. Et puis pas que, parce que on a vu que le ministère de l'Agriculture, là, se sert des données de l'Observatoire pour se sert de ces données. C'est un peu les données officielles maintenant. Donc ça, Ouais, ça nous fait d'accord. vachement plaisir. Et c'est le rôle, quelque part, d'un institut public de faire des trucs comme ça, quoi. Ouais. Quelque part, pour que tout le monde puisse en profiter. C'est ça, c'est que, ouais, mettons ces trois entreprises qui investissent pour avoir des réponses à leurs questions, mais elles sont, quand t'as les réponses aux questions, même moi, n'importe qui pourra aussi en profiter, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, D'accord. n'importe Ouais, qui trop peut en bien. profiter sur le site. Alors, y a un Génial. système quand même de primeur pour les membres de la chaire agrotique, donc en priorité, mais après c'est diffusé à tout le monde. Et puis il y a quand même des ateliers qui sont qui c'est intéressant de participer, évidemment, à la chaire. Il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs des interventions d'experts, etc. Donc c'est quand même c'est intéressant, quoi, de faire partie de ce consortium. Il y a tout ce qui est produit en termes de le séminaire, c'est en libre accès sur internet, toutes les présentations, etc.
Super. On a un deuxième projet mécénal qui s'appelle le Mass Numérique, dont le Mobile Lab, là, ce camion, fait partie. Donc le D'accord. Mass Numérique, c'est un peu la même idée, mais un peu plus en production, donc sur un domaine viticole en production. Donc encore viticole, hein, même si on touche à toutes les agricultures différentes. Et là, c'est plusieurs entreprises qui fournissent des services, des outils, des systèmes. Et en fait, c'est marrant parce que ces entreprises, elles regardent plus leurs concurrents, évidemment, que à quoi ça va servir, en gros, pour qui je peux utiliser mes données que j'ai générées peuvent être utilisées. Je pense à un exemple tout bête, mais un fournisseur de stations météo va regarder ses concurrents de stations météo, donc Winat, Semcrop, Agriscope, etc. Ils vont regarder leurs concurrents, mais il y a quelque temps, il y avait pas énormément de regarder cette donnée météo, comment. Ça prend du temps, en fait, d'aller voir les agriculteurs sur comment ils vont l'utiliser, etc. Et puis peut-être qu'il y a des fournisseurs de services qui vont utiliser mes données météo. Par exemple, une entreprise qui va faire un modèle de prévision maladie. Évidemment, il faut avoir la météo pour faire ce modèle de prévision maladie. Et du coup, en fait, le but du Mass Numérique, c'est de mettre autour d'une table toutes ces entreprises, faire une chaîne de la donnée. Les stations météo, capteurs de température, humidité, hop. Le modèle prévision maladie qui est développé par une autre entreprise. Ce modèle-là va être envoyé au Pulvée ou va être envoyé à un logiciel de traçabilité qui va permettre de préparer en amont le traitement ou l'intervention culturale. Et puis ensuite, ça va même parfois au pulvérisateur qui a la carte intégrée qui va couper les buses quand il faut, etc. Mais en fait, cette chaîne de données, c'est l'idée du Mass Numérique, c'est de la faire ce fil rouge, quoi, et le renforcer. Je me souviens de la première réunion qui avait été faite pour le Mass Numérique, où c'était assez énorme, en fait, sur toutes les entreprises, donc 25 à peu près entreprises, avec les agriculteurs qui ont utilisé pendant quelques mois toutes les solutions. Ben voilà, le premier retour, c'était: vous vous rendez compte qu'on doit faire 5 fois la cartographie de nos parcellaires. Donc cliquez sur une parcelle sur Internet, cliquez tous les points pour détailler, ça c'est ma parcelle, ça c'est doublé, elle fait tant d'hectares, etc. Celle-là, etc. Et faire tout le parcellaire, il fallait le faire 5 fois parce qu'il n'y avait pas d'interopérabilité entre les entreprises. Et donc du coup, fort de ce constat, c'était: bah, attendez, moi je les ai, au pire vous pouvez prendre les miennes une fois que c'est fait, et puis bah, en échange je prends ça. Et du coup là, c'est là qu'il y a un lien qui se fait, en tout cas entre toutes les entreprises, quoi. Et donc Ah, le j'allais dire projet du Mass sans vous, Numérique. ça n'a jamais. J'allais dire sans vous, pardon, ça n'aurait jamais été fait parce que, comme tu dis, tout le monde se regarde et tout le monde se concurrence. Par contre, personne ne met en lien ces données, surtout sur les agriculteurs. J'en avais interviewé deux il y a 3-4 semaines dans le podcast et c'était le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est que l'isobus, déjà, ça a été une galère, c'est comment ça marchait, mais alors dès que t'as une carte de préco, un truc, bah ça c'était, voilà, tu refais toujours tout et tout, parce que rien ne fonctionne. Si t'as du John Deere, du New Holland, c'est foutu, du Gverneland, du je sais pas quoi, enfin y a rien qui marche avec un. Donc ouais, si t'as bien, c'est cool que vous commencez ça, parce que là il y a du boulot de fou, quoi. Mais du coup, l'entreprise, comment elle décide de rentrer dans le, enfin c'est les entreprises qui décident de rentrer dans le Mass Numérique, ou c'est vous qui allez les chercher? Alors c'est des projets, les deux projets, le Mass Numérique et la chaire agrotique, c'est des projets de 3 ans D'accord. Ah, mais c'est qui le se même renouvellent. principe alors. C'est deux projets mécénaux, ouais. Mais il y en a un sur la D'accord, chaire ok. agrotique, c'est plutôt sur l'évolution du numérique en agriculture avec des potentialités, des nouvelles technologies, etc. Et puis le Mass Numérique, on est plutôt sur le concret en production. D'accord. Voilà, on va voir ces outils-là. Qu'est-ce que les agriculteurs en pensent, quoi. Ou en tout cas, nous, au domaine du chapitre, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qui est bien, sur quoi il faudrait capitaliser, etc., etc. C'est un peu de l'or, ça. C'est des informations, ouais, qui sont très importantes. Et puis bon, on a à la fois des entreprises, hein, au Mass Numérique, mais on a aussi un comité filière qui a Gérard Bertrand ou Grand Chais de France ou les grands domaines du littoral. C'est le Mass Numérique, par contre, c'est uniquement Viti, mais c'est des D'accord. entreprises, des coopératives, il y a même des petits viticulteurs, hein, Ah ouais. qui sont Trop là bien. au Mass Numérique pour voir aussi, bah, en fait, quel intérêt j'aurais à utiliser cet outil ou ces services, ce système. Est-ce que ça marcherait chez moi? On a fait une comparaison, par exemple, de
plusieurs entreprises qui font la cartographie de pieds manquants. En vigne, c'est important de savoir pour la complantation, etc. C'est intéressant d'avoir cette information de où sont mes pieds manquants et combien il y en a dans quelle parcelle. Et du coup, il y a plusieurs entreprises qui fournissent ce système-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que elles ont toutes testé sur une parcelle dont on connaissait exactement le pourcentage de pieds manquants, où ils étaient, etc. Et on les a toutes fait passer pour voir un petit peu comment ça se passe, en fait. Juste raconter l'histoire de notre partenariat avec j'en cite un, Chouette, par exemple. Et du coup, ils nous demandent de faire... eux, ils vont passer à telle période-là, donc il faut être un petit peu disponible sur cette période-là. Ils passent avec telle précision, ils s'engagent à faire ça, etc. Donc, juste un peu comme le site Les Numériques ou FR Android, un petit test Tu fais ouais. de notre histoire avec cette prestation. Et ça, les viticulteurs, c'est Trop bien. hyper intéressant pour eux, parce que ça se trouve, il y en a certains qui vont se dire, ah ben oui, mais moi, ma vigne, elle n'est pas du tout dispo dans cette période-là, donc je vais pas pouvoir utiliser ça. Etc., etc. Donc, du coup, c'est l'idée de tester, de voir un petit peu tous ces services en production, à la différence de la chirurgie, où c'est Génial. peut-être un petit peu plus, pas conceptuel, mais sur Ouais, l'évolution du numérique recherche, de pardon. façon large. D'accord. Et masse, c'est un acronyme, ça veut dire quelque chose, ça? Alors, un MAS, c'est en Bourgogne, il y a les clos, dans le Bordelais, il y a les châteaux, et dans le sud, c'est les masses. Un mas, D'accord. c'est une ancienne exploitation, une ancienne exploitation agricole. Et le D'accord, domaine, ok. C'est du. c'est un mas. C'est du. C'est quoi? J'allais dire, c'est du. Mince, je me rappelle plus. Du dialecte du sud. De Languedoc. Du peut-être, ouais, Languedoc, d'accord, c'est de excellent. l'Occident. Non, c'est un mot, c'est un mot français, hein. Et ça Ah doit non, être oui, dans le c'est un mot français, dictionnaire, je ok, pense. tu vois, je Ouais. connais pas. Excellent. Alors, tu nous as parlé plusieurs fois du Mobilab, c'est aussi via ce sujet, moi, que j'avais entendu parler de toi. Raconte-nous un peu, c'est quoi ce truc, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors le Mobilab, du coup, c'est en gros l'idée, le constat qu'on a fait que les agriculteurs et le numérique, ça fait deux, qu'il faut leur expliquer, en fait, avant que les entreprises aillent chercher des besoins, etc. Quand on va dire à un agriculteur, tu as besoin de quoi d'un point de vue numérique, il va dire, mais j'ai besoin de rien, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, l'idée, c'est de leur expliquer d'abord comment ça fonctionne le numérique, en fait, comment ça fonctionne un capteur avec ses petites activités ludiques dans ce camion-là. Donc, enfin, c'est d'expliquer comment ça fonctionne. Et donc, pour ça, on a fait ce camion qui permet de faire des animations n'importe où, dans n'importe quelle parcelle. Dans n'importe quel lieu, on va à la rencontre des agriculteurs, on leur explique, voilà, le numérique, ça marche comme ça, en fait, si vous ouvrez le capot, c'est pas si compliqué que ça, faut pas avoir peur des outils numériques. Il faut démystifier un petit peu ça, quoi. Donc on va avec ce camion, donc via les membres du MAS numérique et via les membres d'un autre projet qui s'appelle Occitanum. Et puis potentiellement, s'il y a une prestation particulière à faire. Avec Agrotic Service, maintenant que tu vois ce que c'est, ça peut se faire comme ça aussi. Donc on se déplace sur toute la région Occitanie, et puis un peu plus loin s'il y a des membres du MAS, Alliance Loire par exemple. Et on va démystifier ça, et puis on va construire ensuite avec les agriculteurs, une fois qu'on a identifié un besoin particulier, tiens, moi j'aurais besoin de ce capteur, un mec qui faisait des poules pondeuses, il y a des invasions de renards, et quand il y a des renards apparemment... Ça s'entend, les poules crient dans tous les sens. Et du coup, on avait justement, il nous a dit, quand je lui ai montré un capteur, un décibelmètre, quoi, en gros, un capteur avec une petite membrane, et plus elle va vibrer, plus ça va générer, un volt, plus ça va vibrer, plus ça va faire 2 volts, 3 volts, 4 volts. Et donc, du coup, si ça dépasse 3 volts, alors envoie-moi une petite alerte SMS. Du coup, quand on lui a dit ça, Trop bien. le viticulteur, là, il nous a dit, mais moi, je veux ça, quoi. Et donc, ça, c'était un projet qu'on a fait avec les étudiants, et on a été jusqu'à faire, dans le cadre du Mobilab, alors, il est en cours un tutoriel de comment développer ça, Comment comment développer bidouiller ça à la soi-même maison, ce quoi. petit à la maison en autoconstruction. Vous achetez sur internet tel truc, et ensuite étape Super. 1, vous faites ça. C'est vraiment très très simple, hein. Très très bête, très très pour n'importe qui, quoi. Génial. Et c'est qui la cible du coup du Mobilab? C'est enfin comment je fais appel
je te téléphone, tu viens? Ou c'est quoi? C'est les chambres d'agriculture qui vous démarchent, des COP? Ou comment ça marche du côté-là? Alors, pour le moment, on travaille surtout donc avec les membres du Mass Numérique, avec les membres du projet Occitanum. On fait aussi, en fonction des opportunités que nous on a, ou des disponibilités aussi, on peut aller se déplacer. S'il y a une prestation avec un budget, bah, dans ce cas-là, on peut faire venir le Mobilab pour une assemblée générale de la Chambre d'agriculture, Ah, de trop bien. Groupama, de voilà, tout ça pour démystifier un petit peu le numérique. Donc on est assez disponible pour ça, pour faire ces petits ateliers, ces petites animations. Voilà, je sais pas si il y avait une deuxième question dans ta question. Ouais, non, c'était ça. Ouais. Mais quand tu dis que tu travailles avec les acteurs du MAS, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent te dire, viens me faire une animation, je sais pas, chez un de mes clients existants, non? Ou... Ouais, voilà, c'est ça que. Alors, en gros, ce qu'on pense, c'est que le low-tech numérique, alors c'est un mot qui est un peu bizarre parce que low-tech, en général, on pense à une pompe Bélier ou des choses très très. Enfin, une pompe d'irrigation qui nécessite pas d'énergie ou des trucs tout bêtes, quoi, avec la gravité ou je sais pas, des trucs. Et le numérique, pour le coup, c'est high-tech. On pense à l'électronique, on pense à voilà, les téléphones, les smartphones, des trucs où on comprend rien. Et donc le low-tech numérique, c'est du low-tech high-tech. Donc ça paraît contradictoire, mais pour autant, voilà, nous le rôle avec les étudiants et avec tout le monde, c'est montrer que bah, c'est facile en fait de développer un petit capteur, une petite solution. Et donc du coup, on se dit que c'est une nouvelle compétence qui arrive là. Il y a un truc qui est en train de se passer dans le monde agricole. Dans les années 1900, il y a eu la mécanisation. Du coup, dans le monde agricole, il y a ça qui est arrivé. Il y a des agriculteurs qui se sont mis à ça, genre, bah, voilà, les forces, les machins, etc. Et puis, il y en a même qui ont commencé à diminuer leur exploitation pour se consacrer sur mécanisation pure et dure, machinisme agricole. Je prends l'exemple de Pellinc, par exemple. Bah, c'est ça. C'était une entreprise agricole qui s'est tournée vers le machinisme de plus en plus, quoi. Avec Ah ouais, je savais pas. tout Excellent. le succès que ça a mené, quoi. Ah, grave. Et je pense que, enfin, je suis même prêt à parier que, alors je m'avance peut-être un petit peu, mais que New Holland, que Fendt, que Massey Ferguson, historiquement, ça part du monde agricole, quoi. Ça part pas du machinisme qui part dedans. Puis dans les années 90, 80-90, on a dû demander aux agriculteurs d'avoir la compétence un peu économique, connaissance de la mondialisation, savoir vendre son blé au bon moment, etc. Et puis dans la même période, il y a aussi bah, ou un petit peu plus tard peut-être les bon, non les chefs d'entreprise, gérer du personnel, avoir des notions de RH, etc. Et donc c'est l'exploitation agricole comme un Lego, quoi. On ajoute une petite brique compétences, etc. Et du coup on pourrait faire le pari que en 2024 une exploitation agricole, il faut commencer à être peut-être un petit peu geek. Donc commencer à comprendre comment ça fonctionne un capteur, comment ça fonctionne une solution pour pouvoir avoir plus d'informations sur sa propre exploitation et puis pouvoir optimiser, mieux savoir comment piloter l'irrigation, les itinéraires techniques, etc., quoi. Et donc ces entreprises du Mass Numérique, elles sont hyper intéressées par ça. Je pense qu'il y a des agriculteurs qui vont nous dire, on le voit, hein, et on le voyait dans le bouquin dont je te parlais dans 1920 là, sur l'électricité, il y a des agriculteurs qui nous disent... Bah, je suis chaud pour c'est où les tutoriels? J'ai envie de développer un petit capteur, un petit objet connecté. De la même façon qu'il y avait des agriculteurs il y a 100 ans qui se disaient j'ai envie de m'intéresser à l'électricité. Puis il y en a quand même la moitié qui se disent bah, c'est cool, voici mes besoins, mais chacun son métier, quoi. C'est pas à moi de développer cette solution. Et voilà, moi je fais partie d'une coopérative. C'est à eux je suis coopérateur justement pour pas avoir à m'embêter avec ça. Donc c'est à eux de prendre en main cette solution et de me faire un service et puis d'assurer la maintenance, etc., quoi. Et puis t'en as 20% qui sont, et c'est pareil, ça se retrouve dans le vieux livre d'il y a 100 ans, il y en a 20% qui sont là, oh, l'informatique, le numérique, j'y crois pas trop, c'est plus un nid en merde que ça. Et du coup, il y avait la même chose pour l'électricité. Il y en a qui disaient que l'électricité, j'y crois pas trop. C'est ça. Le constat est que l'électricité, je pense qu'on aurait du mal à s'en Ça passer maintenant, vient. quoi. C'est une belle vision, une belle. J'aime bien ton histoire là, des briques que tu construis. Beaucoup de compétences, tu pourrais étouffer cette histoire et rajouter plein de briques Lego là. Même pas parler d'agronomie par exemple, mais c'est pareil, c'est Oui, un gros truc. Mais mais c'est vrai que évidemment. les solutions numériques
qui font très peur à tout le monde. Et notamment, j'étais encore en discussion ce week-end avec une personne qui commentait un de mes posts sur LinkedIn et qui disait. Non, c'est pas un commentaire sur LinkedIn, pardon. C'était des messages privés. La personne me disait, bah, le numérique, de toute façon, ça coupe les relations avec les agriculteurs. Et si on le met en place, et bah, les gens, ils viendront plus nous voir. Et du coup, nous, on n'existera plus. Je me suis dit, bah, comme tu viens de dire, tu vois, il y a une part des gens qui disent, il nous faut le numérique, ça nous rend trop service. Et t'as l'autre part, dit, ah, on n'en veut pas, ça craint, ça va nous faire disparaître. Alors que, ouais, moi, je te rejoins à 200%, ouais, l'outil numérique. Il paraît super compliqué, mais quand tu vois une cartographie ou ne serait-ce qu'un la coupure de section sur ton pulvée, enfin pour moi c'est du numérique, mais ça vaut de l'or. Comment ça t'aide à travailler, quoi. Et cette semaine, on a un épisode de podcast qui sort avec Pierre Schubert qui travaille chez Nokian Tire. Et les mecs, tu vois, alors eux, c'est du numérique de fou avec de l'IA. Et le pneu est connecté, si tu veux, et le pneumatique va envoyer des données sur l'écran du tracteur pour en fait dire, le mec, il va dire, je suis en train de labourer, voilà, mon tracteur a fait 5 tonnes, bah ok, du coup, le pneu va se régler tout seul. Non mais quand t'as goûté à ça, c'est génial, parce qu'il y avait tellement de trucs à maîtriser dans l'agriculture. Si t'en viens pas au numérique, mais c'est bon, arrête d'être agriculteur, parce que t'arriveras plus à suivre, quoi. Ouais, alors je pense que c'est pas, en fait, c'est pas tout noir ou blanc, hein. C'est un juste milieu entre tout ça. Je pense qu'il y a des solutions qui sont peut-être un peu trop numériques. Je pense à tu sais, le casque de métal qu'ils ont sorti sur. Oui. Bon, là, on est quand même poussé dans le numérique à l'extrême. Et bon, du coup, apparemment, ça a fait un flop. Mais ou les Google Glass ou les trucs comme ça, soit c'était trop tôt, soit c'est. Alors, en tout cas, c'est peut-être un peu trop numérique, quoi. Et c'est ça ce que j'appellerais le push techno, quoi. Genre, on peut le faire, donc vas-y, on le fait. Et dans le monde agricole, ça, c'est. Non, c'est hors de question de faire ça. Mais si tu pars du besoin et si tu te rends compte que, bah tiens, quand tu. Faire réalité augmentée, là, tu vois, tu prends avec ton téléphone, tu te promènes et tu veux faire ta vidange par exemple tout seul, ben ça te montre, tu dis que j'ai une Clio 3 et puis ça te montre sur ton écran, ben tiens, c'est ce boulon et tout ça, ben c'est des infos qui peuvent être, enfin faut pas non plus être à l'inverse, faut pas être dans le push techno, mais faut pas être non plus à l'inverse tout bannir du numérique, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont très drôles, puis des choses qui sont très simples. Je pense à un projet qu'on a fait pour avec les étudiants, mais pour mon père qui est agriculteur, qui mettait beaucoup de temps à gérer l'irrigation, à aller appuyer sur le bouton de la pompe d'irrigation. Donc, c'était juste appuyer sur le bouton de la pompe d'irrigation et retourner au champ pour voir si l'enrouleur, tout se passait bien et tout. Et avec les étudiants, on a imprimé un doigt en 3D. Et quand on envoie un SMS, ça fait ça, quoi. Et ça vient appuyer sur ça vient appuyer sur le bouton. Ça coûte 20 € plus un abonnement à 2 € par mois. En fait, c'est du numérique tout bête. C'est du numérique, mais c'est tout bête. Et ça, personne peut dire que oui, c'est trop high-tech, etc. C'est juste, ça lui fait gagner 1 heure par jour d'irrigation pendant la période d'irrigation sur un truc où tu n'as rien d'autre à faire que d'aller à la pompe. C'est ça le monde agricole. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont des tâches répétitives qui pourraient être simplifiées. Et donc ça. Enfin, voilà, c'est important de le faire. Ouais, c'est typiquement le cas, si tu crois pas au numérique, en fait, tu vas te rajouter du travail en plus. Enfin, tu te mets des contraintes, en fait. Si tu fais un peu d'effort, sans t'en rendre ça, 20 euros, le mec, il a gagné 1 heure par jour, mais c'est génial, quoi. Ouais. Et du coup, si tu le fais pas, bah, tu deviens un peu moins compétitif, peut-être, et tout ça. Et sans t'en rendre compte, au bout d'un moment, tu te mets sur la marge de. Ton exploitation est moins rentable, etc. Tu prends trop de temps et donc du coup c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Donc je pense qu'il faut être un peu à la page, sans être trop à la page, mais dans un bon juste milieu, quoi. Nous, notre rôle d'être au bon. Justement, j'avais une question là-dessus que j'ai passée, mais tu m'amènes bien le sujet. C'est que en ce moment, est-ce que les constructeurs, ils en font pas trop à mettre beaucoup de technologie à droite à gauche? Et encore pour une fois, pour avoir parlé avec des agriculteurs, les mecs, je leur ai demandé, mais ce qui se passe en ce moment, ce qu'on vous fournit dans le matériel agricole, est-ce que c'est pas trop? Et les mecs, ils m'ont dit, bah c'est sûr que quand on achète un tracteur, maintenant, si on arrive à utiliser 10% de sa capacité, on est content, parce que le reste, il y a tellement de technologies et tout, en fait, ça nous sert à rien. Et ou alors, on sait même pas l'utiliser, du coup, on l'utilise pas. Est-ce que toi, toi, tu vas aider les entreprises à pas faire n'importe quoi, mais tu le vois ça aussi, où des fois les gens arrivent avec des projets, tu leur dis mais non, arrêtez les gars, ça sert à rien. T'as déjà eu ces cas ou pas? Bah, en fait,
Je pense que bah, pour une entreprise, c'est l'enjeu principal, c'est d'aller sonder les besoins, ça prend beaucoup de temps, etc. Il y a plein d'exemples de, oui, comme tu dis, d'entreprises qui sont tombées un petit peu dans le panneau parce que je pense que le truc, c'est que le monde agricole, il est un peu différent de la start-up où, tu dois avoir une croissance, je sais pas dans quel sens sera ma caméra, mais bon, un truc croissant tous les ans. Je vais pas faire un truc qui se crache. Faut qu'il y ait des revenus, etc. Dans le monde économique, le monde des entreprises, il faut toujours que ce soit croissant. Et une entreprise agricole, c'est pas comme ça que ça marche. Si au mieux on est comme ça, c'est top, quoi. Ça prend en compte toutes les contraintes de. Enfin, j'ai discuté avec une personne là, la semaine dernière, un agriculteur, il a 40 chances pour faire pousser son blé, une fois par an, quoi, grosso modo. Et puis du coup, il va faire avec les aléas climatiques, les contraintes, les enjeux économiques et tout derrière. Et donc du coup, quelque part, il a 40 coups à jouer pour essayer de faire le meilleur blé, etc. Et ça, les entreprises, parfois, n'ont pas bien conscience que c'est ça le truc le plus important, quoi. Et que du coup, bah, c'est pas facile de générer un revenu sur des. Bah, tu vois, genre mon système de doigts, là, imprimé en 3D, tu vas pas faire une entreprise, une start-up dessus, quoi. Ceux qui vont se lancer, le besoin, il est pas Oui. assez important Tout à fait. pour ça. Et donc, du coup, faut être conscient de quel est le besoin concrètement. Est-ce que c'est un besoin important ou un besoin secondaire? Et si c'est un besoin secondaire, ben le truc, c'est que tu peux pas faire une start-up, tu peux pas faire un truc avec une maintenance à faire payer ça 1000 euros plus 50 euros par mois pour entretenir mon petit doigt imprimé en 3D là. Ça va pas marcher en fait. Clairement, l'agriculteur va pas choisir ça. Donc du coup, en fait, quelque part, il y a ça, il y a ces besoins qui sont hyper importants pour les agriculteurs, enfin qui sont secondaires, mais qui permettent de leur faciliter la vie grandement. Et le business model de monter sa boîte et tout, il marchera pas. Donc du coup, bah, comment on fait en fait? Et c'est ça que je trouve génial. Nous, on se pose les questions d'un point de vue recherche, d'un point de vue enseignement, d'un point de vue avec les projets mécénaux. Comment on fait pour intégrer cette nouvelle compétence dans le monde agricole? Je pense que c'est résumer le travail de l'équipe agrotique, c'est peut-être un peu ça, quoi. Ah, c'est vrai, avec les exemples que tu nous donnes là, c'est vraiment trop bien. Cette histoire du doigt en 3D, c'est vraiment trop génial, je trouve. Et pour toi, c'est quoi la meilleure façon justement de former les utilisateurs sur les nouvelles technologies? C'est une... ouais. Un comment gros sujet, hein. former? Ouais, c'est un gros sujet. Parce que quand on fait des formations continues, il y a très peu d'agriculteurs qui viennent. Et il y a... Parce que bah, voilà, on est en plein cœur de Montpellier. Et puis bah, il suffit qu'il fasse beau et qu'il y ait une semaine de pluie, bah, du coup, ils viendront pas finalement, etc., etc. Je pense que passer par, bah, pour ceux qui sont coopérateurs, etc., passer par les coopératives pour ensuite diffuser après, ça peut être pas mal. Un truc qu'on a vu aussi, c'est que de base, du coup, le numérique, c'est mal vu par le monde agricole. Alors que si tu viens avec ce truc, c'est encore une fois ce doigt ou un petit système tout bête, tout simple, et puis tu lui laisses. Alors ça paraît un peu push techno, paradoxalement, avec tout ce qu'on vient de dire. Genre arriver avec une technologie et l'installer chez l'agriculteur et puis voir comment il se l'approprie, comment il l'adapte et du coup ça suscite l'intérêt et l'agriculteur même le plus réfractaire qui se dira ah bah tiens ouais c'est pas mal en fait ce truc-là peut-être qu'il faut que j'aille pousser il faut arriver par il faut lui donner envie quoi faut pas arriver en mode on va vous faire une formation sur les microprocesseurs ou sur voilà, ça non c'est il y aura personne qui viendra. Par contre, réparer l'engrenage d'une meuleuse avec une imprimante 3D, par exemple, ou là, tout de suite, il y a la côté un peu curiosité, et puis, où, tiens, faites votre, on appelait ça coup de pouce, le projet, là, appuyez sur le bouton à distance, juste avec votre téléphone et tout. Là, ça peut un peu les intéresser, et puis si on en laisse, si, là, avec une chambre d'agriculture de Haute-Garonne, là, on laisse un système chez un agriculteur, on voit comment il se l'approprie. Si dans 2 semaines, il nous dit, oh, mais c'est trop bien, ça fonctionne bien et tout, bah là on se dit, tiens, lui il va pouvoir faire du bouche à oreille aussi, ça va se diffuser par lui-même. Quelque part, on a une position facile, nous, on n'a pas d'objectif lucratif derrière, on est un institut public. Hein, là, je suis là au nom de l'enseignement et de la recherche, quelque part. Donc, C'est ça. et tu vois, genre un truc tout bête, on a fait chez un.
au domaine du chapitre. Alors nous, encore une fois, c'est notre bac à sable. Donc au domaine du chapitre, là, alors, il y avait un projet, Sika, c'est une entreprise qui fabrique des débitmètres à induction notamment, donc des trucs très précis pour l'industriel principalement. Et du coup, ils avaient fait une application qui s'appelait Picor, et ça permettait de faire la traçabilité d'un point GPS toutes les 5 secondes et de savoir le tracteur, le pulvé, dans quelle parcelle il est passé. Et puis d'avoir son débit gauche, débit droit, en gros, pour savoir ah si ouais, la vache. Il est débouché, etc. Et oui, c'est ça. Et du coup, ça a fait bah, exactement pour les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure. Sika, eux, ils développent des débitmètres. Et leur cœur de... Genre là, ils font des ventes, etc. Ça se passe très bien pour eux, pour les débitmètres. Mais pour cette application, toucher les agriculteurs, diffuser, etc., tout est plus lent, tout est plus difficile. Mmh. Et puis, il n'y a pas forcément l'intérêt. Donc, il faut retrouver le business model, etc. derrière. Bref, ils ont arrêté le service Picor il y a quelques années. Donc, nous, on avait encore une solution de Picor au domaine du chapitre, parce que le masque numérique, on la testait, cette solution. Mais on s'est dit, mais merde, si jamais il y a un problème, ben, on est un peu à poil, ça n'a pas marché. Et bizarrement, c'était un des trucs les plus utilisés par le tractoriste. C'est super confort de savoir si j'ai une buse qui commence à boucher à gauche ou à droite. Et donc, du coup, c'est la chambre d'agriculture de l'Hérault, une personne qui s'appelle Christophe Auvergne, qui a participé qui a développé en gros un prototype sur d'une approche très low-tech, hein, vraiment. Et puis on s'est retrouvé à une formation, on s'est dit, mais je faisais une formation sur un capteur de pression, là, ce que je te disais tout à l'heure, la Iritrace pour la traçabilité dans les systèmes de goutte à goutte. Mm-hmm. Et puis on se disait, mais en fait, il faudrait le mettre aussi, ce capteur de pression, dans le pulvé, pour au lieu d'avoir à se retourner tout le temps en permanence, de l'avoir devant. Alors, il y a des systèmes qui le font, mais bon, là, c'est plus cher, etc. Puis là, on est sur une seconde monte, on peut l'enlever très facilement. Et du coup, là, on a testé, ça a pris une semaine à développer une petite application qui est disponible librement, gratuitement. Et puis, développer soi-même son petit capteur, enfin, ses capteurs de débitmètre et son capteur de pression. Et donc, il y a la petite application où tu vois tout depuis la cabine. Et ça, on l'a mis juste dans les mains du tractoriste du domaine du chapitre. Il nous a dit le lendemain, bah c'est bon, c'est déjà adopté, je peux plus m'en passer de votre système, faut faire en sorte que ce soit maintenu, etc. Donc là, on se dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire un projet de recherche, soit un projet avec l'enseignement, les étudiants, pour fiabiliser ce truc, commencer à faire le tutoriel. Mm-hmm. Et là, ça y est, c'est parti, quoi. Ça fait une petite success story, il va falloir lui trouver un nom, etc., etc. Donc, je pense que... En fait, la conclusion, c'est qu'il faut ancrer les besoins des agriculteurs pour leur prouver qu'en fait, il y a un intérêt énorme ici, mais qu'ils se disent « Ah, c'est bon, j'y vais, quoi. » C'est ça, parce que sinon, si c'est trop théorique, ça correspond pas à leur monde, c'est des gens hyper concrets. Et ouais, donc ce que tu fais, c'est la preuve par l'exemple, et du coup, c'est là où tu vois si c'est bon ou pas, quoi. Génial. C'est ça, c'est un peu ça l'idée, je rejoins. C'est très bien. Et puis via le masque numérique, via tous ces projets là nous on a la possibilité de faire des crash tests et d'essuyer les plâtres, et parce que ça marche jamais du premier coup, tous ces systèmes là mais nous, c'est quelque part à nous de faire ça, à nous avec les étudiants de faire les tutoriels les plus simples et tout ça, faire une V1, faire une V2, faire une V3. Alors, les agriculteurs qui veulent le truc fonctionnel du premier coup sans trop se prendre la tête, bah c'est pas comme ça que ça va se passer, quoi. Ou alors ils sont avec une coopérative, c'est une autre approche. Mais je pense que, enfin moi je crois personnellement en tout cas à cette approche de, on a une nouvelle compétence là, il y a le numérique, l'agriculture il est en train de prendre un tournant du numérique. Comment ça évolue, comment on fait, quoi. C'est beau ça. Et tu parles beaucoup de tutoriels, moi je fais des vidéos tutos, c'est des vidéos tutos aussi que vous faites ? Alors pour le moment c'est des tutoriels en ligne, et on a fait justement, on est allé chez des agriculteurs pour développer un tutoriel vidéo, donc on est en train de mettre sur une page YouTube là. Mais en ligne ça veut dire quoi ? Juste sur, à l'écrit sur un site internet ? Pour le moment ouais c'est en ligne, c'est genre t'as une page, un site internet avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 5. D'accord. Hop, j'ai passé ce truc là, je passe à la page suivante. Et tout. Et à terme, il y aura la vidéo tutoriel pour chaque truc qui va accompagner, qui va accompagner tout ça, quoi. Trop bien. La vidéo, ça fonctionne toujours. Est-ce que la vidéo, c'est de la nouvelle la vidéo tuto sur les matériels agricoles ou toutes les technologies que vous développez, vous,
c'est des choses que vous... Enfin, c'est de la nouvelle technologie pour toi ou c'est comment tu te places par rapport à ça? Ouais, si, oui, c'est un peu de la nouvelle technologie. Alors, je sais pas à quel point c'est de la nouvelle technologie. Peut-être que c'est sur l'approche par réseaux sociaux, etc. Mais avoir l'instinct de. Enfin, je vois par exemple, moi, dès que je me pose une question, je vais sur Google. Maintenant, je vais même sur ChatGPT pour avoir des réponses et tout. Mon père, quand il a une question, c'est. Tiens, c'est. Par exemple, je sais pas, on se promène, on voit une fleur dans une parcelle, on ne sait pas ce que c'est. Moi, mon premier réflexe, ce serait de la prendre en photo. Lui, son premier réflexe, et puis faire plante nette ou je sais pas quoi. Lui, son premier réflexe, c'est Simon, c'est quoi cette plante? Et donc, du coup, il n'est pas indépendant par rapport à ça. Et du coup, c'est ça l'idée, quoi. C'est peut-être c'est une génération aussi qui est. Bah, moi, je suis né, enfin, j'ai vu l'arrivée d'Internet et tout ça. Et du coup, lui, il l'a moins vu. Et donc, c'est plus difficile, peut-être pour lui, d'avoir le réflexe de Google, ChatGPT, etc. Mais avec les vidéos, ce sera peut-être un peu la même idée, quoi. Il faudra avoir le réflexe de aller chercher sur Internet et tout. Mais je pense que c'est quand même un sacré moyen de diffusion, démystification. Parce que c'est pas facile, hein, c'est dur de faire simple, en fait, dans les tutoriels. C'est ça, exactement. C'est très compliqué de faire simple. Et c'est simple de faire compliqué, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ça. Et donc Ouais, voilà, les c'est vrai. vidéos vont aider ça, je pense. Intéressant, ça me fait rire. Ton père, il te demande à toi, c'est comme, ouais, Ouais. comme la plupart des agriculteurs, où quand ils ont un problème, ils chopent le téléphone pour appeler le technicien, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pour autant, on voit que ça évolue quand même, parce que tu vois, genre, bah, sur l'exploitation de mes parents, ça y est, maintenant, ils utilisent WhatsApp, ils se sont fait un groupe. Avant, c'est tout con, hein, mais avant, c'était on se parle par un petit message sur la table qu'on laisse, ou des trucs comme ça, et puis si j'appelle quelqu'un, j'appelle que une personne, et il faut que j'appelle ensuite l'autre, etc. Là, ils ont juste un groupe WhatsApp, ils se prennent en photo je sais pas, c'est un élevage de bovins, viande. Du coup, tiens, quelle vache est née, etc. Ils mettent le message, ça leur fait de la traçabilité. Ma mère peut suivre ensuite à la fin de la semaine, elle prend tous les veaux qui sont nés. Ça fait partie du numérique c'est un outil comme un autre. Ça, c'est assez ancré maintenant. Puis tout le monde là, WhatsApp ou Telegram ou Facebook ou je sais pas quoi, mais C'est ça, ouais. un groupe de conversation avec la famille aussi. Ça existe, c'est quand même assez utilisé maintenant. Ah, c'est vrai, moi j'ai fait le même constat. Mon père, agriculteur, bientôt à la retraite, qui a WhatsApp avec tous ses collègues, ils sont en Cuma, Enfin voilà, ils ont des assolements en commun, donc ils sont tous sur WhatsApp. Et puis lui, maintenant, il est carrément sur YouTube. Il va même écouter les podcasts à chaque fois Ouais. qu'ils sortent et tout. Alors qu'il y a 2 ans, il n'en était pas du tout à là, quoi. Ah ouais, Donc ça ouais, va vite. ça vient, hein, c'est sûr. Ouais. Génial. En tout cas, ça fait 1h25 qu'on parle déjà. C'était vraiment super intéressant de comprendre ce monde-là des instituts, des chaires et tout. C'est vraiment trop bien. Je pense que ça sera intéressant pour beaucoup de gens. Avant de conclure, je pose toujours la même question à mes invités. C'est quelle est la prochaine personne que tu voudrais que j'interviewe dans le podcast? Faut qu'elle soit en relation, bah, avec le machinisme agricole, tu vois, pour te Wow. donner une idée. La prochaine personne, j'aimerais bien que tu parles de. Tiens, bah, peut-être. Moi, je pense qu'il y a un projet, alors je sais que tu l'as peut-être déjà fait, qui s'appelle Centipède. Centipède pour RTK, la ouais. RTK, pardon, voilà. La géolocalisation pour tous, centimétrique. On a des boîtes comme Orfeon, Teria, qui, elles, font comme SFR, Bouygues ou Orange, un réseau que tout le monde peut avoir avec la maintenance, mais c'est payant et c'est globalement assez cher. Et puis, on a Centipede qui s'est mis au fur et à mesure, là, et maintenant, ça commence même à être approprié par les agriculteurs. Au lieu de dire géolocalisation RTK, ils disent Centipede. Ils font Génial. une erreur, mais bon, quelque part, ça veut dire que ça y est, c'est lancé. Donc, ça, c'est vraiment génial. Je pense que Centipède, c'est bien lancé maintenant. Il y a plein d'agriculteurs, il y a plein de bases qui sont partout sur toute la France. On peut voir sur le site et tout. Du coup, soit j'aimerais bien avoir un podcast de Julien Ancelin pour son avenir sur comment il voit l'utilisation de Centipède, comment ça s'est fait dans le machinisme, notamment agricole. Ou alors, si c'est pas Julien Ancelin, bah, Teria ou Orfeon. Comment ils sentent l'arrivée de Centipède, parce que ça doit leur faire un petit coup. Enfin, j'imagine que ça doit changer la structure de leur économie, etc. Donc, comment ils anticipent ça et comment ils voient les choses à l'avenir, quoi. Alors Julien Ancelin, c'est qui par rapport à Centipède? Ah oui, pardon. Julien Ancelin,
c'est le fondateur de Centipede. Donc c'est un chercheur aussi hein, de l'INRAE, Trop bien. un ingénieur comme moi, et donc du coup qui a lancé. Lui, il est très très geek. Il a un profil ancien agriculteur aussi, et du coup il a développé ce système, la Centipède, au début sans que INRAE comprenne trop ce que c'était, etc. Donc avec les moyens du bord. Et puis quand INRAE a bien assimilé que c'était hyper important et que c'était un peu une success story d'INRAE, là il lui a laissé un peu plus de disposition et tout. Donc là il est en train de lancer un peu une fondation et tout autour de Trop Centipède. bien. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir son avis un petit peu sur tout ça. Il y a 9 mois, je connaissais pas ce truc et je l'ai découvert parce que mon Ok. cousin il vend des GPS, un kit GPS que tu peux remonter sur n'importe quel tracteur. Et bref, je l'aide à monter ça et il me dit ah bah pour le réseau RTK et tout machin. Je dis tu me racontes de réseau RTK et comment tu veux qu'on foute le RTK là-dedans? Bah Centipede et tout. Ouais. Et je regarde ça et en fait je lui faisais des vidéos tuto pour aider au montage et à la mise en route. Et donc c'est là où j'ai été pour la première fois de ma vie sur le truc, le site internet sur Tipeee, j'étais là, putain mais ça c'est génial, Ouais. c'est pareil, c'est une mine d'or le truc quoi. Genre on file le Ouais. réseau RTK, la précision RTK à tout le monde, mais les gars, et j'ai l'impression en faisant des recherches, je me suis dit, ah d'accord, il n'y a pas grand monde qui connaît ce truc. Alors de plus en Non, plus, hein, ouais. mais Ouais, sans mais ça ça... peut être à toi de diffuser ça, mais je pense qu'il y a des choses qui. Enfin, je suis clairement pas un communiste, mais il y a des choses qui sont des biens d'intérêt commun. Ah D'intérêt oui, c'est public en tout clair. cas, et C'est ça. typiquement à bénéficier d'une précision centimétrique, vu le coût que c'est maintenant, Ouais, le problème clair. c'est le réseau. Comment faire pour avoir un réseau et tout, et puis vu que c'est des données très faibles et tout, je me dis c'est dans l'intérêt du public de porter ça en fait. C'est notre rôle, les instituts publics, de Bah oui, c'est porter des sûr, trucs hein. comme ça. Il y a plein de choses qui sont comme ça qui demande juste qu'à avoir un Julien Ancelin un peu geek qui fédère le truc, qui construit et que ça se lance, quoi. Donc Ouais, c'est. parce que, enfin, chapeau, ouais, il doit avoir une belle histoire à raconter, parce que, ouais, c'est pas. Quand tu vois l'ampleur que ça a pris, il y en a même dans les autres pays que la France, enfin, bravo, quoi. Ouais, C'est un truc de fou. c'est bien lancé maintenant. Trop bien, bah super, franchement, écoute, contacte-le s'il est d'accord, on va avoir encore un beau truc, un bel épisode. Ça, c'est Parfait. cool, ça. Trop bien, bah écoute, Simon, je te remercie pour le temps que t'as pris, c'était Eh ben, super merci à intéressant, toi. et au plaisir, j'espère qu'un jour on se rencontrera dans la vraie vie, dans le sud si possible, parce que c'est quand même plus sympa qu'à Nancy dans le nord-est, le soleil brille plus. Ouais, c'est vrai qu'il fait beau. Ok, oui, avec plaisir et merci beaucoup en tout cas pour tout le travail que tu fais, tous les efforts que tu fais pour vulgariser tout ça. Merci, ça me fait plaisir. Des gens des tracteurs, c'est fini. Oui, ça dure jamais assez longtemps. T'es arrivé jusqu'au bout. En tout cas, je te remercie. C'est que t'es un vrai passionné du secteur. Si tu veux m'aider à faire monter ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre, s'il te plaît, si t'étais sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et mets un petit like sur la vidéo. Si t'es sur une plateforme d'écoute, bah, laisse un avis, mets une étoile, tout ce qui peut aider à le diffuser au plus grand nombre. En tout cas, je te dis un grand merci et on se voit au prochain épisode. Salut!